Le paysage proche de Bagnères a été pour ainsi dire théâtralisé. Promenades, plantations, buvettes, un ensemble d'éléments sont liés au thermalisme et composent un aménagement tout à fait original. Quand on venait prendre les eaux à Bagnères, et cela dès le XVIIe siècle, il y avait toute une série de mondanités qui étaient de vrais rituels. La promenade, le spectacle, les salons. Tout cela donnait finalement une vie très théâtrale, que l'on va retrouver dans la conception du paysage et de l'aménagement de la nature environnante. Se soigner, se divertir, fréquenter les salons, tout cela était fait naturellement à pied. Car ne l'oublions pas, c'était le mode de déplacement naturel, même s'il y avait des calèches ou des chaises à porteurs. La mise en scène de la nature se rapprochait de ses mœurs urbaines. Les curistes de cet âge d'or du thermalisme bagnérais fréquentaient déjà les mêmes promenades qui restent tracées aujourd'hui. Les forêts du Mont Olivet et du Bédat étaient moins arborées et dispensaient de beaux points de vue sur la ville. Les allées dramatiques, qui furent taillées grâce aux recettes d'une troupe de théâtre, les allées maintenant, qui donnaient accès au couvent et à l'église des Capucines de Médouce, et enfin l'incontournable vallon du Salut, qui était l'accès naturel au terme qui fonctionnait encore dans les années 70. Au-delà de cette proche nature, sage et aménagée, Bagnères est une porte ouverte vers la montagne. En effet, de tous les belvédères qui entourent la ville, on peut apercevoir de grands sommets. L'Arbison, le Montaigu et surtout le Pic du Midi qui a suscité toutes les convoitises. De nombreuses représentations d'artistes ont à leur tour dépeint un environnement littéralement théâtral, du plus réaliste jusqu'au plus fantastique.